Eh bien, salut tout le monde, c'est Obidjawa, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je vais vous présenter mon setup gamer, donc voilà, ma gaming room. Donc je vais tout vous présenter dans les moindres détails. J'aurai pas forcément toutes les références pour les périphériques, tout simplement. Mais je vais essayer de mettre tout ça en description, tous ceux que je trouve en tout cas. Donc voilà, donc c'est parti. On va commencer par le setup, on va dire principal, là où je passe quasiment mes journées. Donc je ne joue pas sur PC, hein, je joue sur PS4, mais vous verrez ça juste après. Alors donc déjà j'ai une petite lampe juste là, une petite lampe avec les logos PS4. Donc attendez, donc vous voyez comment ça rend dans le noir. Donc voilà, comme ça, tout en LED, vraiment magnifique. Avec un petit clavier rétroéclairé, un petit tapis de souris rétroéclairé, tout ça. Et donc je vais mettre le jour, hop, voilà, pour que vous y voyez mieux, tout simplement. Alors, donc voilà, donc vous pouvez voir ma petite lampe du coup PlayStation juste là. Vraiment magnifique avec les petits logos justement de la manette comme ceci. Voilà. Donc ensuite au niveau du porte-casque, alors c'est un porte-casque de chez The G-Lab. Donc c'est un porte-casque vraiment qui fait le taf. En plus, il fait un peu office de multiprise USB avec ses deux ports en plus. Donc juste là sur les côtés sur lesquels je branche mon clavier et mon tapis de souris, il me semble. Ou alors ma lampe et mon tapis de souris, je ne sais plus. Donc voilà. Ensuite au niveau du casque, alors c'est le SteelSeries, comme vous pouvez voir juste au-dessus là. Attendez, hop. Voilà. SteelSeries Siberia 200 si je me trompe. Je vous mettrai ça en description de toute façon. Pour les périphériques dont je trouve la référence, ils seront en description. Donc voilà. Ensuite au niveau du PC, alors c'est un PC de chez Acer. Donc ce n'est pas un PC gamer, c'est un PC de bureau. Donc voilà, c'est pas, on ne peut pas faire tourner Fortnite dessus, quoi. On peut le faire tourner, mais voilà, avec des qualités graphiques vraiment très faibles, quoi. Donc voilà, donc sinon il fait le taf. Moi je m'en sers principalement pour monter mes vidéos, faire mes bannières, faire mes miniatures de vidéos, faire tout ça, lire le chat du live. Enfin voilà, je m'en sers pas pour jouer, quoi. Je suis plus un joueur manette, un joueur PS4. Ensuite, vous avez peut-être vu au fond. Il y a des enceintes comme ceci. Donc là, il y a un petit caisson de basse de chez la marque Creative. Donc on peut le voir juste là, comme ceci, Creative. Voilà, donc c'est une très bonne marque. Sur le côté là, j'ai collé un petit autocollant de chez SteelSeries. Voilà. Donc voilà, donc c'est tout pour le setup, pour la partie PC. Donc ensuite, on va continuer avec donc ce petit meuble. Voilà, donc un petit meuble range pour ranger ses affaires, quoi. Voilà, donc j'ai mis un petit masque tout simplement sur un squelette. Donc voilà, donc on peut le voir. C'est un squelette, quoi, dans une sorte de boîte en plastique, on va dire. Donc voilà, donc un petit masque assez sympathique que j'avais trouvé. Et voilà, donc il est vraiment magnifique avec une petite casquette dessus, Tommy Jeans. Voilà. Donc là, on a des BD du coup que j'aime beaucoup. Que j'ai mis en évidence dessus tout simplement. Voilà. Donc ensuite quand on descend on a des cases, voilà comme ça. Donc ici j'ai mis mes jeux PS4. Donc là on peut voir il y a Minecraft. Voilà. Ok. Alors ensuite j'ai une petite épée là. Elle est vraiment vraiment stylée. Une petite épée au thème de Minecraft, on va dire. Ouais, avec du coup, un petit coffret Minecraft juste là et du quartz rose, donc c'est une petite pierre semi-précieuse que j'ai mis juste là. Je trouvais que ça faisait stylé. Donc à ce niveau-là, on a une petite étagère Star Wars, donc avec une petite figurine pop de Star Wars du coup. Donc là, il y a des petits stickies, je crois que ça s'appelle. Et ici, on a une navette, donc que j'avais eu dans comment? C'était une exposition, on va dire, sur l'espace. C'était vraiment stylé. Donc à ce niveau-là, on a un petit casque de Star Wars du coup. Fait office de tirelire, donc vraiment vraiment pas mal aussi. Donc voilà, donc ici on a un petit quixel au niveau à ce niveau-là sur Star Wars, toujours dans le thème. Voilà. Ensuite juste en bas, alors là on a des bouteilles, on a une coupe, on a un parfum, on a un autre parfum, on a la tête de Spider-Man. Cette étagère n'a aucun sens, hein. Donc voilà. Et à ce niveau-là, on a une caisse range tout où j'ai mis plein de câbles, plein d'affaires que je ne me sers plus tout simplement. Donc dedans il y a une GoPro, tout ça. Donc avec tout le matériel qui va avec. Donc si vous voulez que je vous la montre, ben, je vous dis ça sert à rien tout simplement. Parce que vraiment c'est ça arrange tout, quoi. Il y a de tout. Donc voilà. Donc ensuite au niveau de la télé, alors c'est une télé quoi, tout ce qui est plus banal.
Donc voilà, donc je m'en sers pour jouer à la PS4. Donc voilà, la petite PS4 elle est là. Voilà, on peut ouvrir comme ceci avec une autre manette. Donc j'ai deux manettes. Ici j'ai une petite enceinte là, juste là. Voilà. Donc ici j'ai une carte de Red Dead Redemption. Et ici j'ai une carte de GTA. Donc voilà, c'est des petits posters comme ça, c'est sympathique. Ensuite, juste là, j'ai des étagères murales du coup. Donc voilà. Donc là, j'ai une petite étagère avec une figurine pop d'Harry Potter, une figurine pop de l'épouvantail dans Batman. Je peux vous les montrer de plus près. Donc voilà, donc là j'ai Aquaman, là j'ai Jack Sparrow et là j'ai Star-Lord juste là-bas. Donc voilà, vraiment stylé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, après là j'ai une lampe, voilà, donc c'est une lampe décorative, hein. Je peux m'en servir, hein, mais c'est vraiment décoratif. À ce niveau-là, j'ai quelques cadres et là c'est la porte quoi. Donc voilà, ben c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était Obijaway. Moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.